saison a commencé avant, effectivement, pour l'année 2018. Là, nous avons une saison qui a commencé le 25 mai avec Alberto, qui a commencé dans l'Isla, donc suivi de tout l'autre. Alors, dans le bassin noir, donc système ça a été pris naissance. Nous avons au total un ensemble de systèmes qui prennent naissance et qui créent vraiment des problèmes. Alors, si map pour rappel pour nous, donc ça veut dire que ensemble système ça y est qui t'a créé problème non. Donc nous gain au total gain des dégâts matériels, des dommages matériels qui fait autour de 50 milliards de dollars à et environ 134 morts oui et puis une trentaine de blessés. Alors maintenant ces systèmes ça y est, c'est on parle d'une manière générale pour bassin. Donc, bassin cyclonique, là, dit bassin caribéen et atlantique. Là. Alors, maintenant, Koulia, qui système qui était un peu plus et créé problème et plus meurtrier? C'était Michael. Michael était censé atteindre une pression de 919 hectopascal avec une pression comme ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle atteigne au niveau 4 et puis avec des vents extrêmement violents. Et système ça, c'est des systèmes qui étaient un peu allés sur les côtes des États-Unis. Il était créé environ plus de 60 morts. Alors, qu'en est-il pour ça que tu as dit pour prévision? Prévision d'ensemble, yo, nous connaissons que chaque année, avant saison à commencer, toujours gagner un ensemble de services météorologiques, universités et consortiums d'assurance qui font des pronostics. Et pronostics, ça, yo, tout le monde est un peu unanime pour te dire que c'est des pronostics saison capable et cardio moyennement plus. Un peu plus intense. Donc, avec environ 15 à 16 systèmes nommés, et autour de 8 ouragans, dont 2 à 4 ouragans majeurs. Alors, effectivement, qu'en est-il? Nous gagnons pour saison ça, d'après prévision que tu dis, effectivement, nous gagnons 15 systèmes nommés. Et parmi 15 systèmes nommés, ça, nous gagnons 8 ouragans. Et nous gagnons deux là-dedans, c'est des ouragans majeurs. Alors, qu'en est-il pour Haïti? Heureusement, fort heureusement, Anissa, que nous gagnons, c'était trois seulement systèmes, Isaac, Beryl et Kirk, qui étaient un peu paraître beaucoup plus menaçants pour Haïti. Et c'est de par trajectoire que censé y était prêt. Y était prêt en trajectoire pour sortir en décadio au sud de l'île d'Haïti. Donc, mais heureusement, fort heureusement aussi que conditions environnementales là pas permettre que système ça ait continué évoluer. Si saison cyclone nanté épanier nous avons l'autre tête chargée. Côté nous t'ai obligé camper devant tremblement de terre qui était 5.9 qui était frappé département nord-ouest. Dans la mer sous Côte-Port-Paix, jour qui était 6 octobre 2018 là, bon 8h12 minutes dans la soirée comme ça. C'est presque tout département dans le pays a qui était senti tremblement de terre ça qui était la cause des gars dans le département nord nord-ouest à Latibonite côté 18 monde perdu la vie 11 dans le département nord-ouest et puis 7 dans le département Latibonite. Té gagné tout 714 frères accès nous qui étaient blessés et puis qui t'a prendre la soignage dans divers hôpitaux dans la région yo. Nous avons 32 662 cas privés avec bio l'État, qui sont soit dommagés, soit crasés net. Devant cette situation, ça, toute action réponse, c'est le gouvernement qui est baillé à travers cette opération urgence, qui est CUN, qui est cette opération d'urgence nationale, qui est CUT, qui est cette opération d'urgence départementale, à CUCIO, qui est cette opération d'urgence communale. Qui concerne eux. Autorité qui dans le gouvernement et quelques institutions internationales ont participé dans la population assistance toute qualité. Donc, soins pour les gens qui blessés, support pour l'enterrement, distribution kit alimentaire et manger, et puis appui psychosocial pour élèves l'école qui étaient victimes. Nous avons fait un pile visite sur tout terrain pour fournir, pour voyager, garder. Comprennent plus bien qui donc évaluer qui sa population a gagné comme besoin dans la situation liée et pour nous encadrer plus bien dans ce sens-là. Yon l'autre bord,
Direction protection civile, ministère intérieur, continue à travailler dans la commune qui frappe. Jusqu'à présent, il fait ça avec SIPO et l'île locale. Et puis divers partenaires qui sont dans le domaine assistance humanitaire. Action qui continue à faire, c'est plus appui psychosocial pour élèves l'école. Bail pour les familles qui accueillent les gens qui sont victimes de la CAIO, c'est une façon pour continuer à supporter frère et sœur dans le moment. La poursuivre avec l'évaluation dans tout secteur qui est frappé. Mettre en place quelques projets sur l'hygiène, donc au WASH, qui est l'installation de points d'eau et construction de blocs sanitaires dans les abris. Rapoursuivre avec l'évaluation technique CAI avec l'école dans la zone qui est frappée. Continuer côté ça nécessaire avec quelques distributions de l'autre matériel, dans le temps familial, bâche et latrier pour aider la population en Kembe. Continuer avec la sensibilisation de la population, et spécialement avec boss maçon, boss chaban, sous bon genre pratique avec méthode pour appliquer dans le domaine de construction. Réparer CAI qui subit gros dommages et reconstruire CAI qui est écrasé. Et puis pour finalement, c'est réparer le bureau d'État avec l'école publique qui est subit gros dommages. Je veux dire que nous avons sorti dans la phase chaude de la saison cyclonique. Là. Nous sommes capables de vraiment mettre l'accent sur lui, travailler avec tous les partenaires en façon pour que légalisation système soit capable de faire au plus vite. Et une manière pour nous capables de gagner un système qui semble avec le système qui existe dans tout l'autre pays, mais surtout pour nous un système qui est fort, un système qui a une vraie capacité pour justement faire face à la situation. Parce que je nous souhaite là, la saison cyclonique, là, c'est, et risque cyclonique est quand même un risque, mais les saisonniers, mais les risques sismiques sont des risques permanents. Il y a une longueur d'année, parce qu'on tremblement de terre, car il vient n'importe qui, et m'a répété, ça a un ingénieur petit remédien, pas un autre gens pour faire, c'est pareil pour nous parler. Donc, nous continuons à faire effort pour nous capables de moyens et pour nous capables d'équiper l'équipe nous pour nous capables de moyens pour continuer à faire face, continuer à faire bon travail que engager là-dedans déjà. Donc ma un dernier bagage que m'a annoncé nous c'est que nous travaillons tout sous déploiement de certains moyens pour nous capables de faire plus communication, plus sensibilisation et plus éducation à grand public là par rapport à ça les risques et menaces. Donc dans ce sens ça nous avons plusieurs travail qui établi par exemple avec le ministère de l'éducation côté que n'a introduit un programme de un curriculum de formation au niveau de l'école primaire, l'école secondaire pour apprendre si moun qui sont supposés faire cyclone complémentaire, comment on suppose réagir lors des cyclones, sont supposés faire leur non côté qui cagne sur le terrain. Nous avons continué tout avec programme sensibilisation et communication en tout à travers médias traditionnels, radio, télévision, mais n'a mettez un pile force tout dans médias et ça les nouveaux médias électroniques. Dans le sens que nous avons des canaux qui déjà existent déjà et nous remercions tout le monde qui a suivi nous et qui voulait nous la donner. Et nous allons augmenter l'effort toujours parce que je profite là pour m'annoncer que la protection civile très bientôt va lancer une application sous téléphone qui permet au monde, quelque chose à côté lié, s'il y a un problème, il est capable justement de voir l'information et nous-mêmes, les SAA, nous capables de faire coordination avec instances qui concernent nous en façon pour nous capables de porter support à la population. La maison Toyota, c'est une démarche qui a fait depuis longtemps qu'on a demandé au gouvernement pour mettre un fonds de garantie capable de permettre de transporter aux jeunes comme prêter pour nous recommander de moderniser le transport. Parce que la nouvelle ordre mondiale, là, nous trouvons que le transport nous a fait là, il n'est pas agréable assez. Mais nous-mêmes, transporteurs, nous constituons des sociétés pour nous traguer accès pour nous jeunes comme prêter. Mais le gouvernement a accompagné pour faire nos jeunes comme ça prêter dans le BNC pour nous acheter autobus, pour nous changer de transport dans l'arrière pour nous recommander. Puis on monte tout propre, puis on arrive à travailler tout propre. Mais c'est dans ce sens-là, je dis là, nous avons la maison Toyota pour nous venir recevoir la machine ça, pour nous mettre au service de la population haïtienne. C'est combien comme nous t'es prêté exactement? Et bon, son société nous gagnait, pour nous bien d'eau, c'est pas un montant X comme nous prêter, nous avons l'effet crédit avec la banque. Pour nous faire la banque acheter la machine ça pour nous avons 5 ans pour nous travailler, pour nous payer la machine ça. Son comme nous prêter dans le BNC. Mais le gouvernement est accompagné, nous capable de permettre nos jeunes prêts. Mais c'est une société, c'est Alternative Investissement Transport Haïti.
Il y a plusieurs grandes sociétés qui sont Kiskeya, qui sont Remito. Quel que soit le citoyen, de vous constituer une société légalement ou qui a accès à un crédit, ça. Il n'est pas fait pour un groupe bien déterminé. Il est fait pour transporter. Avec dit depuis où même vous constituez une société légalement, vous avez tout papier légal ou non, ou qui a accès pour aller dans le BNC pour aller un crédit, ça. Dis-nous. Pour moi, on n'a pas la voilà, on a recevoir 15 autobus qu'on est là toujours, mais nous sommes capables. Autant de fois, on a payé, autant de fois, on a acheté. Comment nous allons l'utiliser? Nous allons l'utiliser, nous allons mettre le transport en commun pour tous 10 départements pour nous comment nous sommes capables de changer le transport d'une façon. Même là, au niveau capital, nous allons mettre des autobus climatisés pour nous sortir la caille tout propre, pour venir travailler tout propre. Et pour chaque monde qui est à nos places, convenablement, pas faire mon appui et tout le monde vient nous camper en deux machines. Non. Et nous allons parler de modernisation du transport, il faut mettre toutes conditions. Pour moderniser le transport tout bon. Et puis nous avons ça, même si dans toute capitale elle a fonctionné, tout climatisé, mais c'est le bagage pour camper tout côté, même si toute machine, nous avons des prêts bien déterminés pour machine ça camper, pour prendre le monde, pour déposer le monde. Nous sommes tous des bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est, nous sommes un groupe de syndicalistes qui mettent tête ensemble, qui dit monsieur, il faut nous faire un bagage. Je viens de dire, regardez, c'est la page tournante. Page la tournée, côté, nous parlons de l'autre visage dans la rue, nous parlons de l'autre lecture de transport dans la rue. Côté, nous parlons quand nous sortons la caillou, ou pas besoin directement si, ou pas veut sortir à machine privée, ou qu'on doit monter en machine ça, normal ou à privé. À l'aise côté au voilier, sans que vous pas chiffonné, sans que vous radou pas sale. Nous voulons faire un distinguo tout entre machine capotée monde et machine capotée marchandise et machine capotée bête, ouais, capotée animaux. C'est que c'est dans le contexte ça, nous capables de faire tout effort ça. Je veux dire, nous capables de population et nous sommes de bonne voie côté dans le mois de décembre. Machine de secours, il faut protéger autour. Il faut protéger la rue. Bon, n'a profité de que l'air monte machine là conseil de bagaille par exemple yo pas ka manger dans machine yo pas ka manger puis ça chaîne de machine yo pas ka son de bagaille machine après yo condition que normalement li climatisé et que faut aucun bel propre et depuis le président Préval on te gain envie faire projet là mais ne pas jamais réaliser projet là pourquoi parce que nous pas ka venir crédit et avec président Matéli pour te démarrer avec crédit ça mais je dis li vraiment li effectif. OK, nous même transporteurs yo nous comptons et nous allons demander pour nous, population, de même accompagner nous pour que ça nous fasse. Nous ne pas arrêter là, pour même déjà ça qui passé déjà, tant que service plus, tant que Obama, pour l'autre bagage. Ça, ce n'est pas public, ça c'est privé, c'est nous-mêmes qui mettons l'argent pour la remettre. C'est le réseau, ça tout, qui fait que nous montons, nous ne pas faire la rue comme ça, son société. Nous montons la société pour nous capables de gérer mieux. Transport qui va en l'autre bagaille dans le pays d'Haïti. Un transport moderne, nous voulons moderniser le transport là. C'est-à-dire que quel que soit le touriste qui a venu dans le pays, dans quel que soit le pays, donc c'est le transport qui identifie le pays. Donc, Haïti, Bussayo, yo là pour bailler, quel que soit le secteur à service, quel que soit le monde dans le service, bon, touriste là rentrer dans la poêle que le transport moderne qui a fait dans le pays là. Donc nous connaissons le transport, il y a plusieurs vecteurs là-dedans, il y a une route là qui est essentielle, mais matériel cap et bail population service, mais matériel ça faut qu'il y ait adéquat. Donc alternative investissement transport SA. Dans tout transporteur, nous remercions particulièrement le président de la République là, qui le noté à côté là avec projet là, et qui était accueilli là avec un pile enthousiasme et qui aujourd'hui a rendu opérationnel. Et le président a deux contributions que l'État baille dans l'initiative. Ça. Contribution numéro un, c'est que les machines ne sont pas payées à prix normal à 100% que c'est une nous-mêmes seuls, nous venons acheter. Il y a un rabais spécial qui fait pour transporter comme contribution du gouvernement à la modernisation, d'une part. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est le gouvernement qui mettait à disposition nous un fonds de garantie. Au-delà de 1,5 milliard de gourdes pour que pour fonds de garantie, ils mettaient à disposition nous, à partir de ce fonds, chaque société, chaque organisation a acheté machine comme garantie on met des fonds. Mais c'est chaque monde qui a payé machine séparément.
Et pas machine l'État ban nous, c'est machine n'a pas acheté sous base fonds de garantie. Hein. Et nous gagnons un certain nombre d'années pour nous payer machine. Nous, comme si n'importe individu était entré dans une banque, il vient dans un concessionnaire, il vient acheter une machine, et puis il a garanti crédit, et puis il a acheté le payer machine convenablement. Ce n'est pas machine l'État qui est dans la rue, hein. C'est machine organisation transportée. C'est extrêmement important. Et le président voulait que la machine s'aille puis aller dans tout le pays. Jean camarade, mais ils sont expliqués là. Il n'y a pas seulement Port-au-Prince, il a pris tout le circuit, il a essayé, il a testé pour la capacité, et puis il y a l'autre qui a fini. Comme aujourd'hui, il y a 15 qui a remettre à une société, il y a 15 ans qui a remettre à une deuxième société, il y a environ 200 machines dans la même qualité ça qui pourra distribuer par les transporteurs dans tout le pays. Et ça, son premier pas. L'autre part derrière, puis devant, on a parlé. Qu'on donne aux étudiants une assurance, ils vont comprendre l'importance. Déjà, la première chose, on va vous rendre autonome des parents, ça va. Deuxièmement, vous allez valoir quelque chose. Si vous êtes malade, vous n'allez pas demander un professeur ou quelqu'un pour vous donner de l'argent, de choses. Vous avez votre carte d'assurance, vous allez dans une unité périphérique ou un médecin. Donc, vous êtes déjà, vous valez quel. Entre guillemets, je dis, vous valez quelque chose. Donc, ce qu'on veut, c'est que changer la médecine haïtienne, qui a une tendance plutôt humanitaire, pour aller vers une tendance sociale et économique. Donc, parce que vous êtes ici pour gagner votre vie, pour construire des hôpitaux, pour avoir le plateau technique du Redco, on veut que vous soyez des ambassadeurs de cette cause-là. Vous êtes assurés, vous allez connaître ce que c'est, et quand vous serez directeur général de l'OFATMA, président de la République, ministre de la Santé publique, ministre des Affaires sociales, vous allez donner l'assurance à tout le pays. À travers ce plan complet d'assurance qui prendra en compte à la fois les risques de maladie et d'accident, mais aussi des frais funéraires au bénéfice des parents des étudiants décédés, il s'agira concrètement pour l'OFATMA de protéger les étudiants contre les risques catastrophiques de maladie, d'initier les étudiants aux notions de prévoyance personnelle, protéger les investissements de l'État haïtien dans le financement des études supérieures et finalement de garantir une quiétude d'esprit aux parents pour ce qu'il s'agit de la prise en charge de leurs enfants universitaires. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier et heureux, certainement en ma qualité de directeur général de l'OFATMA, mais également et surtout en ma qualité de disciple d'Esculape, de revenir à l'alma mater pour remettre officiellement un lot de cadres d'assurance santé au doyen de la faculté de médecine, le professeur Cadet. Et annonçant ainsi que les temps ont changé et que malgré les difficultés liées au contexte sociopolitique difficile dans lequel nous évoluons, le gouvernement Moïse Seyan entend honorer ses promesses et ne ménagera aucun sacrifice pour améliorer le bien-être du peuple haïtien. Puisque nous avons investi sur chacun de vous, nous voulons vous garder en bonne santé, nous voulons que vous soyez une promotion idéale. Vous êtes en bonne santé,
vous allez étudier, vous devrez être tous des lauréats, et dans 6 ans, nous voulons être moi et le vice-doyen, nous serons plus loyaux à l'époque, mais je veux assister à la cérémonie. Chacun de vous devra être diplômé dans 6 ans. C'est pourquoi nous investissons dans votre santé. N'est-ce pas? Vous me promettez ça? Vous devez savoir, comme moi, que le docteur Charit, qui est ici présent, est la coordonnatrice de l'unité pour l'accréditation. Qu'est-ce que c'est l'accréditation? L'accréditation veut dire que dans quelques années, quand cette faculté sera accréditée au nouveau système de santé, ce n'est pas virtuel, ce sera réel. Quand vous êtes à la faculté de médecine, de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, c'est comme si vous êtes à l'université en France, parce que vous pourrez faire ce qu'on appelle la mobilité. Quelqu'un qui étudie dans une faculté accréditée peut traverser dans une autre faculté de n'importe quel pays du monde. Vous entendez? C'est pourquoi je vous invite à étudier, à accepter certains sacrifices. Vous aurez à faire certains sacrifices, mais puisque vous êtes en bonne santé, vous savez qu'un corps sain, dans un esprit sain, vous aurez donc la capacité d'étudier. Avant de partir, je voudrais remercier du fond du cœur, pas un camarade de promotion, il a été mon élève, mais un homme qui a compris bien vite qu'on devait avancer. Le docteur Agabus, à aucun moment de la durée, n'a pas hésité à nous donner son support inconditionnel. Tous les mots sont importants. Support inconditionnel pour la cérémonie du jour qui est une cérémonie dont je suis très fier comme doyen. C'est la première fois dans l'histoire de cette faculté depuis 1867 que les étudiants seront assurés, leur santé est assurée, la maternité des étudiants sont assurées. Et nous n'allons pas prendre le troisième volet, il n'y aura pas de funérailles puisque nous sommes tous en santé. N'est-ce pas? Le 1er décembre qui commémore chaque année. Et c'est une date que tout pays censé commémorer dans le cadre de lutte contre le VIH. Et si dans le pays d'Haïti, il y a un pile effort que nous faisons depuis que nous avons goumé contre le fléau, ça, nous faisons un pile effort qui fait que je ne dis pas nous avons un taux de prévalence VIH là, qui est autour de 2%. Donc, ça, c'est fui de travail de différentes institutions, que ce soit institutions étatiques et l'autre non gouvernementale. Nous avons des institutions de la société civile qui impliquées dans le cadre de combat, ça, qui fait que journée jodia nous capable gagner avancer ça yo. Mais et c'est pas encore satisfaisant puisque dans le continent américain nous rété pays qui gagne plus cas d'infection au VIH et c'est ça que fait journée jodia dans le cadre de lutte que n'a mené au niveau du réseau n'a fait un plaidoyer pour que communication et en matière de VIH capable renforcer parce que nous remarquons que gagne une diminution dans communication pour la prévention c'est que jusqu'à présent nous gagne jeunes qui pas assez informés c'est ça que je ne dis à prévalence et incidence c'est-à-dire nouveau cas d'infection au VIH nous est beaucoup plus élevé beaucoup des jeunes yo. Donc même la font plaidoyer dans l'occasion journée mondiale et lutte contre le VIH, la font plaidoyer pour gagner un renforcement et communication
en matière de VIH. Communication pour la prévention, permettre que tout le monde capable plus facilement capable d'identifier côté centre de dépistage. Parce que il y a des gens qui parfois ont volonté pour aller faire un test de dépistage, malheureusement, ils ne connaissent pas côté pour aller. Alors que parfois, ils doivent tout près, ils ne sont pas capables d'identifier. Donc, dans ce sens, il faut que la communication soit renforcée, puisque jeudi, on a fait plaidoyer pour le dépistage et volontaire. C'est important pour que tout le monde intègre dans le temps, parce que non, ouais, si pas d'intégration, ça, nous pas privé dans la dimension que nous arrivons à. Donc, il y a un pile travail qui fait. C'est grâce à la presse, c'est grâce avec tout collaborateur qui mettait main dans le temps qui pour permettre nous arriver avec dimension que nous arriver à. Mais nous quoi nous pour finir, faut que nous continuer travail toujours parce que y a des jeunes qui viennent aujourd'hui là qui pas qu'on a un de VIH sida, ça important pour chaque le, pour réseau journaliste toujours travail pour essayer la sensibiliser jeunes yo pour permettre jeunes yo reconnaître que VIH sida il existe, il est bien belle là et yo pas qu'à remarquer virus là dans visage mon nom, mais c'est un test pour mon al fait. C'est ça que fait Anessa Tess l'a dit, et thème et journée mondiale l'a dit, m'a fait test moi pour m'a gérer, m'a fait test sida et m'a gérer vim. Ça veut dire que qu'importe monde qui a vive ou pas qu'à comprendre ou pas qu'à connaître ou sous gain virus sida dans sens ou pas faire test ou et l'offre une faire test ou gérer vie. C'est ça que fait AFIAVI en tant qu'association des femmes haïtiennes infectées affectées par le VIH qui dans lutte là depuis 11 ans, nous a accompagné femmes yo et non pas seulement accompagné femmes yo mais en fait travail avec les jeunes aussi. Et pour fin année, nous avons dit que nous ne pouvons pas arrêter sans rien faire, bien que j'en sache, il faut que nous fassions quelque chose, parce qu'en tant qu'association, nous ne pouvons pas arrêter pas faire quelque chose. Nous avons une équipe qui est sur le terrain, qui est dans l'école, yo, qui a fait sensibilisation. Nous avons plusieurs écoles qui touchent dans l'herbe métropolitaine avec l'association AFIAVI, qui a fait sensibilisation avec les jeunes pour faire connaître le VIH-SIDA toujours existé et faire distribution des condoms pour les gens qui sont capables d'utiliser les condoms. Et aujourd'hui, là, AFIAVI a un grand activités et des conférences sur droits humains et VIH sida que maître Renan Edouville a payé comme maître conférencier. Bon, on était obligé là avec le réseau journaliste là, c'est vraiment bien et moi crois que n'a continuer bataille dans le il faut que nous finissions avec les 90-90. Onisida a passé de 95 à santé publique, 95-95. Nous croyons que c'est pas dans la bouche n'a prêté joindre. Il faut que ces batailles, nos batailles pour nous faire, pour nous arriver joindre 95 ans et pour nous finir, pour nous arriver sans succès, pour nous dire comme ça que nous pas compter monde qui a infecté encore. Mais il faut que ça va la continuer faite parce que géniaux, ils vraiment pas présents et pas protégés, pas de sensibilisation encore, pas de prévention qui fait encore. Ça veut dire que moins comprendre que faut que nous t'as relancé sensibilisation, relancer et prévention pour que les jeunes connaissent que gain VIH sida li existe et gain ti moun qui fait avec li, qui vivent avec li, qui dans l'âge pour remen, gain ti moun qui a fait qui prend pendant que yo dans relation. Ça veut dire que faut que yo connaissent VIH sida jeune ka bay jeune ti faut que yo protéger tête yo, c'est pas dans visage moun nan yo bralwel comme dit tout à l'heure, mais c'est un test qui pour révéler que moun nan gain virus là. Je souhaite que c'est pas seulement dans date ça yo, c'est ça qui fait mal, c'est parce que dans date ça seulement yo parler de VIH sida et puis chaque jour on a infecté. VIH li existait bel et bien existait et si toutefois nous pas penser li existait, chaque jour on a gain des nouvelles infections et c'est ça qui a répété. Si nous ta font ti coup de pied rapide vite pour nous garder données qui existent en Haïti yo, ou après les jeunes de 15 jusqu'à 29 ans, les jeunes filles, c'est eux plus infectés. Incidence la nouvelle infection c'est là yo. Donc ça veut dire que jeunes nous yo pas cultivé yon sens de responsabilité, yo pas bon comportement de responsabilité parce que journaliste yo gen travail pa pour faire parce que communication sont zame important lié pour nous sensibiliser jeunes pour gain des relations vraiment protégées, des relations protégées que ou konn moun nan que ou pa konn moun nan faut protéger parce que dans plusieurs expériences nous fait jeunes yo les ou gain relation sexuelle avec un monde 4 fois protégé, 5e fois li ou elle pas de jambe malade, li ou moun nan pas de jambe gain rien et puis l'aller libre. Ça veut dire l'aller sans protéger. Donc c'est pour vous dire que VIH là il pas marqué dans figure personne.
C'est ça qu'il faut voir ça. Thème nous retenir, c'est connaître son statut théologique. Pour tout le monde, faites ce que vous. Pas rien que dit dans mitan nous là qu'a couvrir événement inclus nous-mêmes nous passer au positif c'est seulement test là pour nous faire pour nous connaître même si on bien en forme journée jodi hein nous gain pays en voie de développement qui gain deux fardeaux en même temps maladie infectieuse et maladie non infectieuse maladie non transmissible donc sida lui-même les particuliers son maladie infectieuse que lié mais qu'on y a livine nous comme gain traitement comme des médicaments qu'on capable prendre pour lui qui ca prolonger vie ou livine comporter tant qu'on maladie chronique tant qu'on maladie non transmissible et faut que nous gérer ça et nous obliger gérer ça mais jodi hein venez jodi hein li placer sous le sigle de dépistage faut nous essayer dépister tête nous faire test sida pour nous connaître qui statut sérologique. Mais la poser un zak dans la vie nous faut nous connaître pour qui raison que nous poser zak ça. Pour qui ça m'obliger qu'on ait statut sérologique. Premièrement, l'important pour capable situer tête tout, pour capable protéger partenaire et pour empêcher que maladie gagne de côté, ça c'est une. Mais deuxième raison tout, c'est que si ou dépister faut ou joindre traitement. Nous connaissons que tout effort que le ministère de la Santé publique avec différents partenaires a fait depuis quelques années pour question de antirétroviraux, mais nous connaissons que les médicaments sont chers, si vous n'avez pas une aide de l'autre bord, ou pas de traitement. Et nous connaissons tout, et le docteur Espérance, le docteur Samedi, comme ça tout, c'est que le système de soins en Haïti non, sont un véritable problème que Dieu. De une initiative que nous relais la santé pour la paix qui dans cadre un mouvement social qui relais à la belle bagaille c'est la santé côté institut de santé préventive environnementale et communautaire institut spec invité une coalition de force vive pays hein, nous gagne des institutions avec nous hôpital adventiste d'Haïti nous gagne adra nous gagne force ref nous gagne onu sida nous gagne aussi nos supporters et unicef avec real medicine foundation donc rmf qui mettait ensemble et qui jodi an réalise un gros exploit qui c'est le fait que nous rivé associer de grands artistes du pays pour capable lancer un grand mouvement social autour de la nécessité de faciliter et l'accès aux soins pour les questions de santé en général mais particulièrement jodi an dans cadre en commémoration journée mondiale sida faciliter l'accès aux soins pour la question du sida. Particularité programme ça ou bien initiative ça c'est le fait que son initiative qui prend prendre naissance dans zone Fontamara Matissan on va pas prendre nous rien c'est des zones qui gagne pile besoin et c'est des zones qui gagne pile problème et l'idée c'est permettre que à travers la santé faire un travail de promotion également pour la paix dans pays d'Haïti. Bon côté par nous connaît on situe dans zone Matissan et Fontamara et ben connaît comment situation y est en dedans zone Matissan et Fontamara selon nous même. Capacité. Ok. Alors, yon nan bagay que qui est intéressant pour comprendre dans le programme, nan, c'est que en termes de production de services de santé, son extension de l'activité hôpital adventiste d'Haïti. Ça veut dire les services sont là. Ils sont là et l'idée de ce programme, c'est rendre plus accessible. Plus accessible, c'est un terme technique qui dit un paquet de bagay, qui par exemple parler de culture, mais qui par exemple parler de combien quoi et pour moun gagner, moun qui pa gen quoi, comment on a géré, etc. C'est très important de le comprendre. Maintenant, qui ça fait que nous pensons que le programme ça apprend au niveau de Fontamara et de Martissan? C'est parce que nous sommes directement connectés avec la communauté. C'est vrai que c'est une zone très difficile, c'est une zone même très difficile pour entrer là-dedans, mais nous ne parlons pas de monde qui sortit dehors, qui prend le fait. C'est la communauté Fontamara même
d'abord commencer par les communautés avec lesquelles nous sommes les plus proches, les communautés des églises adventistes, mais aussi nous très proches les églises protestantes également, et de toutes les autres strates de la société. Mais il faut savoir que depuis deux semaines, nous commençons à travailler avec toutes les églises, toutes les écoles de la zone, et nous avons plus que 20 écoles qui peuvent venir visiter nous dans le programme. Non? À travers ces groupes organisés de la société, nous allons commencer des activités. Et petit à petit, nous allons passer une expression, nous allons contaminer, dans le sens positif du terme, nous allons contaminer l'autre strate de population avec l'idée que le vivre ensemble, et c'est ça qui est important dans le programme, ça, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est essentiel au bien-être individuel de chaque monde. Et que chaque monde connaît que voisin, hein, que zami, il est très important à travers le fait que pour capable vivre bien, pour capable vivre en santé, obligé de vivre ensemble. En tant qu'artiste, je crois que l'important pour me mettre place moi, dans la machine, ça, parce que ou capable de gagner un, mais c'est l'esprit ou pas bon, ou malade. Je dis à moi là, on voit pour un pays, on voit pour la santé, et quand on dit santé, dans tout niveau, santé dans le corps, santé dans l'esprit. Donc, moi là, pour ça, parce que je crois que même j'ai un docteur, même j'ai tout le monde qui est en soins et santé, à travail pour santé pays, moi-même, tout comme artiste, j'ai une place. Moi, et moi là, pour moi, faire message scientifique, ça, parce que en pile fois, médecin, ils ont un langage scientifique. Ok? Nous-mêmes, nous là, pour nous condenser, mais ça, nous blender, nous rendre accessible à la population, nous dit. Mais ça, docteur Tab dit, il y a un langage qui est plus simple, qui est plus facile là. Donc, c'est responsabilité PAM dans la machine ça, qui c'est la volonté que nous avons pour la santé pour tout le monde dans le pays. Bien, ici, nous connaissons exactement dans Martissan. Là, nous avons la troisième circonscription qui c'est Martissan Fontanara. Mais même qu'on est nous-mêmes qui déconne Martissan avant, ou bien qui déconne Fontanara, ou bien troisième circonscription avant, je ne veux dire, comment est la situation zone ça avec jeunesse ça? Bon, moi-même, je parle dans le sens que je me dis que je parle de Martissan, moi c'est haïtien, donc Haïti son seul lié. Naturellement, là, en dans Haïti, il y a Pétionville, il y a Cité-Soleil, il y a Martissan, mais là, au fond, bac, nous sommes son seul pays lié. Et que le Martissan, pour un coup, couvre le coup, pas le coup, arrive à Pétionville. C'est pas un affaire de qui bolé, c'est un affaire de qui ça pour nous faire dans l'ensemble, pour que le pays arrête en santé, pour que le pays arrête en sécurité. C'est toujours un plaisir pour moi pour venir dans la zone, ça, parce que lors de l'opté de parler de Martissan, on t'a souvent de son côté ou pas même qu'à venir là-dedans. Mais l'autre, dans la communauté, on rend compte que c'est des gens paisibles. En pile fois, c'est des gens paisibles qui ont vivent, que ils stigmatisent, ils vendent une autre image de eux. Ouais. Donc pour moi-même, c'est pour affaire de Delma ou de Martissan, nous avons Haïti qui a souffert, Haïti qui a besoin de santé dans tout niveau. Moi, comme Martissan, le Martissan, le Jamel, le Pétionville, le Montagne Noire, depuis que je suis pour m'aller, depuis que je suis pour le bon sens dans ça, moi là, et c'est toujours avec un plaisir pour tout côté dans le pays. Un dernier mot, c'est vrai, c'est bien bon pour les scientifiques, yo, a manye problème dans le langage pa yo. Li bon pour artistes yo, jouer rôle pa yo dans message. Parce que, kouvle le kou pavle, voit nous compter en pile. Li dommage qu'on ait toute aura ça, toute influence ça, ou pas servi payant en rien avec li. Ou ap gade en bati vento, ou ap gade poche, ou ap gade kande bankout. Et au final, c'est peuple qui pa gen moyen qui vient dans le programme. C'est peuple qui pa gen qui bon toute l'œuvre là qui font artistes, ou pas retourner l'œuvre là bali. Moi, je crois que artistes yo surtout. Nous devons garder des bagages qui ont aidé le pays. Parce qu'au final, l'on aide un jeune, je dis à ses amis petits pour la demain aider. Ouais. Donc, moi, je crois que j'ai une responsabilité PAM et c'est lui-même moi pas depuis 18 ans. C'est un plaisir pour moi, en tant que jeune, qui a évolué dans le pays, qui a vécu dans le pays, qui a habité dans le pays, pour prendre part avec des séries d'activités comme ça. Et justement, l'activité qu'a faite dans Martissan, en côté, justement, cet ainsi. Par contre, trop belle réputation. Et j'en suis bien ici, ce deal, leur entrée là-dedans. Aujourd'hui, c'est des mondes qui ont vivre, c'est des mondes paisibles. Justement, c'est un grand, grand plaisir pour moi, parce que justement, je suis jeune et que je m'apprête mes fautes avec une activité qui c'est activité qui fait partie de la santé. Et sans la santé, nous ne pouvons pas camper là, je ne camper là, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Est-ce que tu as un mot à dire avec une jeune fille qui fait partie de ça? Et en fait, moi-même, je dis, mesdames, je connais un rêve, et que rêve là, depuis les dans la tête, de pour caresser, pour faire en sorte que le réaliser, de pour travailler, la réaliser. Et puis, dans cause de la santé, grossesse, pas un mauvais bagage, grossesse, son belle bagage, l'offre finale couchée au fond, pour que mon petit amour, son belle bagage. Et continuez à prendre soin de tête, nous,
continuer prendre santé nous, continuer prendre cerveau nous à l'école, étudier parce que toute bagaille là faut passer par éducation. Quel que soit ça veut arriver dans la vie, faut passer par éducation. Artiste là camper cap chanter pour aller à l'école parce que justement avant pour l'écrire de trois mots pour voir là l'école, li apprendre. C'est vrai gain de possibilité nous pas gain en Haïti, mais gain de bagaille gain de effort nous ca faire à tête nous, gain de bagaille nous ca chercher personnellement. Faire en sorte que nous aider monde qui a à côté nous hein, parce que c'est une aide l'autre. Une mettez main en patte là, n'a fini pas gain Haïti nous besoin. Il y a de cela 26 ans, 1992 à aujourd'hui, depuis que cette bonne pratique de célébrer la Journée internationale des personnes handicapées a été instituée par décision de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, c'est toujours une occasion spéciale de rappeler notre égalité en droit et en dignité et de marquer les efforts collectifs accomplis et à accomplir en vue de la réalisation de cet idéal. Le thème retenu pour cette année à l'échelle nationale en dit long. Ensemble avec les handicapés, on travaille pour Corée développement. Il indique deux mouvements. Une société qui recherche l'inclusion sociale, mais aussi qui renforce ou augmente la capacité d'agir de tout un chacun pour une Haïti meilleure. Sorti 2007, pour arriver aujourd'hui, nous pas arrêter en place. Nous continuer à poser jalons pour une politique publique qui chita sur l'intégration de handicapé. Politique ça prend forme plusieurs lois importantes. Loi 13 mars 2012 sur l'intégration de handicapé. Loi 3 juillet 2018 sous norme accessibilité dans l'environnement bâti, mais tout projet de loi sous Fonds solidarité nationale pour intégration des handicapés qui n'ont pas le monde. Loi ça protège les droits des handicapés comme monde, comme citoyen, et puis créer conditions pour vivre plus bien ensemble avec tous les citoyens. La remise des prix d'accessibilité de l'année 2018. C'est une manière pour nous, au BCF et à CBM, de reconnaître l'engagement des institutions et ou personnalités qui œuvrent à la construction d'une société haïtienne inclusive en faveur de l'accès aux services et à l'environnement bâti pour les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement les personnes handicapées. Dans le combat que mènent le BCF et CBM pour l'intégration des personnes handicapées, nous avons compris que l'accessibilité représente une condition de base, la condition matérielle pour une réelle intégration des personnes handicapées. Elle favorise la prise en compte des différences d'aptitude entre les différentes catégories d'usagers, personnes âgées, femmes enceintes, petits-enfants, etc. Il faut dire aussi que l'accessibilité n'est pas seulement une question de droit pour les personnes handicapées. Il s'agit plus largement d'un apprentissage au respect et à l'acceptation de la différence qui représente un préalable à la construction d'une société équilibrée vivant dans la fraternité et la concorde. Mesdames et messieurs, l'accessibilité aujourd'hui est une passerelle vers la modernisation de nos villes. C'est une invitation à la réflexion sur les questions de mobilité et de sûreté dans nos villes. C'est aussi une excellente opportunité d'affaires. C'est un vaste marché en termes de réaménagement. Elle représente un prérequis si l'on veut profiter de la grande industrie touristique mondiale. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à notre 6e édition du prix d'accessibilité. Au nom du BCF et de CBM, nous voulons saluer les efforts des institutions et personnalités qui s'engagent pour une accessibilité aux services et à l'environnement bâti pour tous. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux
qui sont ici présents que l'accès aux services et à l'environnement bâti pour tous doit être au cœur des priorités de développement et de reconstruction du pays. En plus, je pose pour plus de photos. Je remercie toute l'équipe d'INEPA qui a contribué à la réalisation d'infrastructures sanitaires à la place Boyé. Et un gros coup de chapeau à l'ancien Premier ministre Dr. Jacques Guy Lafontaine. C'est grâce à lui-même, sous ordre que le président a passé l'autorité centrale, à savoir le président Jovenel Moïse, pour mettre les moyens à la disposition d'INEPA pour entamer le processus de construction d'installations sanitaires modernes dans l'école publique, dans l'espace public, à savoir marché et place publique. Eh bien, nous comptons les nouveaux magistrats à bon côté, nous, qui toujours accompagnent nous dans des bons comme dans des mauvais moments. Et je dis à son bon moment que nous gagnons et pour nous passer l'ouvrage ça que un film t'a réalisé et soit remarqué que place Boyé en pile monde qui t'a qu'on a fréquenté eh bien t'es qu'on voit que pas de jambe gain infrastructure sanitaire malgré son place qui moderne mais nous-mêmes avec le peu de ça que trésor public te mettre à la disposition nous, eh bien nous arriver à construire une infrastructure sanitaire moderne. Et pour filles, et pour garçons, et pour monde à mobilité réduite, capable de faire besoin yo dans la dignité. Eh bien, nous tous connaissons que l'ouvrage ça a eu des incompréhensions qui autour de lui-même. Yo te dit nous, yo te kon même rele nous directeur général latrine mais ou même journaliste qu'avec caméra ou, eh bien ou après que son infrastructure sanitaire moderne que nous pral passer autorité municipale là et nous mettez nous d'accord avec autorité municipale là pour dossier qui concerne bloc sanitaire place Saint-Pierre là pour nous réaménager et magistrat te gantan écrit nous pour lui dire nous que eh bien d'INEPA mettez les hommes et les femmes de là à la disposition nous pour nous faire des adaptations au regard des recommandations que honorable député Jerry Tardieu et d'autres personnalités en dans société civile Pétionville là te fait nous et pourquoi pas l'association de riverains au niveau de CISM au niveau de Pétionville là. Je remercie le président qui dans la quantité de blocs sanitaires qu'il a bâti sur tout le pays a accepté et comprend la nécessité avec nous pour que Pétionville te bénéficie de 3 blocs sanitaires là-dedans. Donc moins d'un mois nous avons procédé à l'inauguration ça qui dans l'ancien espace cimetière là. Jeudi nous venons place Boyé donc qui c'est une nécessité réelle. Et chaque jour, place la rempli moun et pas de gain côté pour moun yo te fait besoin. Donc, moi remercie spécialement et
DG Dinepa qui te comprendre nécessité avec nous pour que nous te font bloc sanitaire et gens que le saut dit là bloc sanitaire qui fait là nous pour avoir occasion pour que caméra yo fait visite là pour Mounouel et moun pour avoir opportunité pour que au capable visiter ça qui est important là dans là pour remarquer c'est que et yo toujours ignoré moun à mobilité réduite yo handicapé yo. Et là une félicitation que m'a ba dit n'est pas c'est que yo tenu compte de moun sa yo même qui fait partie de société et nous ba valeur aujourd'hui on moun vinn avec chaise roulante li gen remplant le ka rentré et là fait besoin sans que il pas besoin moun aidel donc on pense son gros pas et deuxième bagarre là c'est que nous capable garder et fabrication bloc sanitaire on a son bail réellement moderne qui pas rien à revoir avec question latrine en plein 21e siècle ni moi ni DG là qui n'a regardé là nous pas capable à faire latrine mais cependant li nécessaire pour que nous porter solution et me penser que ça a son solution réelle que lié donc moun yo pas capable venir dans espace désormais un espace qui plus ou moins saine côté que ou pas capable gagner sur tout côté place sans moun fait besoin n'importe qui côté donc espace là sans son espace sain moun pas capable venir là au chita ou respirer l'autre air donc nous penser que dîner pas pas pour l'inquiéter communauté pas gain pour l'inquiéter par rapport avec entretien que nous pral bail à ça. Donc tout le monde est garanti que c'est un espace qui pourrait être toujours propre. Déjà, dit n'est pas fait formation, montrer le monde qui pourra l'entretenir là ou qui gens pourraient fonctionner avec elle. Et nous, dit n'est pas assurer le tout, que ce n'est pas seulement venir à fond bloc sanitaire, que bah, DG n'a pas dit, mais il mettait château d'eau et il assurer le tout que nous avons un gros réservoir là, qui a stocké de l'eau, qui n'a pas gagné une pénurie de l'eau pour permettre que les gens fassent usage des toilettes là. Donc, je pense que c'est de bons bagages que vous voyez. Donc, je remercie DG, je remercie le président paysan, je remercie le premier ministre là, qui permettent que Pétionville capable de bénéficier de ça. C'est vrai, les gens peuvent toujours critiquer que un bloc sanitaire nous fait des lions, puis l'histoire. Mais ça fait des années que la place là. Regardez les grosses innovations qui fait ça, place Saint-Pierre est présentée, et pourtant, il n'y a pas de gain. Isagé, qui là, ou sont tendez après les abats bravo, ils sont contents. Là, ils ont tout chauffeur taxi, ils ont tout montré, ils ont conduit, ils ont chauffeur moto, ils n'ont pas de côté pour qu'ils aient fait besoin. Ils ont vendu téléphone en face. Yo. Sans compter, ils ont fait des promenades qui viennent faire de là un espace pour distraire, pour réfléchir. Ils n'ont pas de côté réel pour qu'ils aient fait. Donc, je pense que c'est un bon bagage. Encore une fois, merci. Merci du débat. Merci. Merci. Ok, mais... Nous avons eu la chance, jeudi 30 novembre, de visiter une installation sanitaire moderne. Côté que jeunes filles, jeunes garçons, pour faire besoin physiologique dans la dignité. Eh bien, tout ça, eh bien, si nous n'avons pas de leadership, son excellence, Jovenel Moïse, et qui a bon côté actuellement, son excellence Jean-Henri Seyan, qui toujours après les noms, qui toujours a dit nous, yo prêt pour continuer à accompagner Dinepa dans mettre installation sanitaire moderne. Eh bien, finalement, l'école d'Aguesol Espinas qui a fonctionné en 3 vacations, côté que à côté de lui, gagnon l'école maternelle en kindergarten public, contrairement à Jean Sakon fait dans l'autre établissement scolaire yo, public, eh bien, nous pas capables d'honorer nous de autrement d'une belle initiative comme ça. Et comme dit nous, le coup de main bénévole de l'ingénieur Lionel Duval-Saint est allé au-delà de cela. Pas de gain en budget pour nous te acheter panneaux solaires, pour nous te acheter batterie,
eh bien, à travers l'association que la milité là dans lui, eh bien, l'été fait nous joindre possibilité ça. Pas d'attraction que directrice Hippolyte saute mentionné là, li pat nan budget a. Eh bien, l'été obligé mettre un petit pack d'attraction pour tout le monde qui en bas âge yo capable distraire yo. Eh bien, moi remercier encore accompagnement que ministère de tutelle là, le ministère des travaux publics, transport et communication toujours ba nous continuer à ba nous. Nous remercier accompagnement primature qui gagne à la tête li son excellence Jean-Henri Seyan. Et un remerciement spécial pour son excellence Jovenel Moïse qui toujours fait secteur de l'eau potable et assainissement dans un secteur qui est plus important dans le quinquennat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en dépit des déceptions et signaux alarmants de toutes sortes, il y a fort heureusement de l'espoir dans l'air, de l'espoir à Port-de-Paix, de l'espoir dans le département du Nord-Ouest. La Maison d'Espoir, établie dans la communauté de la Pointe-des-Palmiers à Port-de-Paix en 1956, est l'une des rares institutions du pays travaillant à donner de l'espoir aux enfants orphelins et vivant avec les déficiences motrices et mentales. C'est cette institution qui est l'heureuse bénéficiaire du prix Roche-Pi cette année, dénommé prix Roche-Pi 2018. Depuis l'existence de ce prix, c'est la deuxième fois que le récipiendaire vient de la province. Ce qui est pour nous un grand honneur. En effet, au-delà de cet honneur se cache tout un symbolisme mettant en exergue l'inclusion. C'est une façon pour nous de Roche-Pi d'inclure tous les enfants dans nos activités, ainsi que toutes les institutions et personnalités qui les encadrent. Cela signifie particulièrement qu'aucun enfant ne doit être laissé de côté, fille ou garçon, riche ou pauvre, porteur d'handicap ou bien porte, etc. En d'autres termes, c'est la preuve tangible que Roche-Pi s'engage à lutter contre toute forme d'exclusion des enfants qui nuirait à leur épanouissement. Chers enfants, chers adultes, parents et professionnels engagés dans la protection de l'enfant, que cette 8e édition du prix Roche-Pi contribue à promouvoir les droits de l'enfant et à atténuer, puis à éliminer toute forme de violence et de violation des droits enfantins aujourd'hui et dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Dans cet esprit, j'appelle, mesdames, mademoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, Madame Linda, la représentante de Maison d'Espoir, récipiendaire du prix Roche-Pi 2018. Nous allons remettre un chèque et également le symbole. Roche-Pi, réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant. Prix Roche-Pi 2018,
décerné à la Maison d'Espoir, Port de Paix Haïti, pour son engagement inconditionnel depuis 1956 dans la prise en charge des enfants orphelins et des enfants vivants avec des déficiences motrices et mentales. Port-au-Prince, 29 novembre 2018. Parce que j'ai une tuberculose osseuse, j'ai 5 ans, et puis, bon, à l'âge de 11 ans, j'ai pas le certificat, comme ça, pas qu'à marcher encore. Mais on connaît la famille, on a décidé, on met, allez, paye encore, on connaît pour qui ça, pour ça. Mais, bon, je t'ai dit, je vais tourner dans la maison d'espoir. Et c'est l'année depuis là, ça m'a tout l'âge, parce que ma Dieu. Et la maison d'espoir, comme vous l'entendez, les tout près moi de paix. 40, peut-être 30 minutes pour arriver là. Ouais. Notre communauté qui est là. Il était bâti en 1956 avec Miss Caroline Bradshaw. C'était une missionnaire américaine. Il était venu fonder une maison d'espoir pour les handicapés. Mais c'est vrai, il est toujours pour les handicapés, comme moi-même bénéficiaire. Il est toujours guère à peu près 15 mois handicapés qui ne peuvent pas marcher, qui sont sous chaise, qui ont un handicap quelconque. Mais heureusement, nous pas handicapés dans la tête. Nous handicapés dans le pied, dans la main, mais tête boule. Nous devons les maisons d'espoir pour les handicapés, mais qu'on n'y a pas seulement pour les handicapés. Nous avons plusieurs couches. Cela veut dire que nous partons avec malnutrition, nous partons avec tuberculose. Dès que nous faisons des sang, nous avons dit que 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 nous avons Allez ça, nous gagnons 73 dîmes. Nous gagnons 54 pour mettre l'école. Nous ne connaissons pas la chance de nous dire c'est faire l'école. Parce que si vous parlez l'école, vous parlez les d'eau, vous parlez voler, vous parlez pile de barre. Seigneur, ben nous comme pour nous mettre l'école. Et nous mettons l'école par la foi. Nous gagnons 22 qui sont dans l'école primaire. Nous gagnons 22 dans l'école secondaire. Nous gagnons 10 dans l'université. C'est pas tout gloire pour bon Dieu. C'est un préfet Makile et je ne jeudi à et Fondation Sabadem organisé et pour mettre un assainissement et Jean-Noël là et nous mettez lui c'est pas un contexte c'est pas un monde qui va nous cob justement c'est une préparation nous fait pour nous lancer avec tout secteur et qui est habitué partager ou participer avec nous dans fête Makile pour pas venir ba nous bel dialogue. Et je dis à pour faire action, même Jean nous même Fondation Sabadem nous fait, pour garder là, mon bel maro sous moi, qui c'est maman Immaculé, dans l'autre commune, fête Immaculé, fête bien, mais nous même dans Cité Soleil, nous toujours pas de promesses qui ne vont jamais atterrir. Nous avons un slogan, nous même étant que Fondation Sabadem, et thème nous connaissons l'église acte Jovenavel, slogan par nous, nous même c'est tout secteur, pas venir faire promesses, c'est atterrir sous. Population, les petites populations, fait action dans la communauté. Vous comprenez, c'est ça nous-mêmes
c'est ça nous-mêmes et nous-mêmes en tant que Fondation Sabadem que nous dit c'est tout secteur vienne faire action pas vienne faire promesse et nous-mêmes en dans Fondation Sabadem nous dit logiquement parlant nous prend deux monde dans chaque bloc de manière à ce que comme si en cas de notre constatation nous avec détermination nous année ça pour nous capable on cas figure il y a près de 40 monde qui met tête ensemble nous parler monde pour nous faire porter là dans jour qu'a venir là parce qu'à présent c'est constamment nous avec tête ensemble dans l'amour dans respect une boulotte nous faire nous dans débat ça mais nous pour gagner son grand jour pour nous même population en dans cité soleil côté et des jeunes et des organisations socio politiques qui met tête ensemble qui a accouché avec première phase c'est question assainissement côté chaque organisation exemple l'on apprend des organisations on prend Fondation Sabadem la différence Sakala ISP nouvelle génération avec un paquet de bonnes autres groupes que nous-mêmes nous pas cité là côté nous prend responsabilité nous d'abord pour cité solaire depuis avant fête maman Immaculée pour nous-mêmes pour nous faire des de nettoyage c'est pour ça que nous-mêmes organisation socio politique ça yo nous gagnons slogan qui c'est pas venir faire promesse c'est action je dis à nous voulons que action posée en dans cité soleil et n'a demandé ça en pile fois nous besoin action en dedans cité côté maman Immaculée ba nous force maman Immaculée ba nous pendant 3 ans père ça là côté jusqu'à présent pas aucune activité pas aucune fête en dedans cité soleil côté ces populations cité soleil là qui mettent nous ensemble qui accouche avec la paix ça. Oh,
c'est avec un sentiment de fierté jeudi hein moi participer une fois encore dans la fête Saint-André parce que chaque année nous toujours est présent dans une belle fête comme ça faut me dire il y a un pile fête patronale dans la commune qui sont communes qui très dense et qui ont 13 sections communales plus le quartier de Thon et le centre de la ville avait dit que nous gagnons en pile paroisse, nous gagnons en pile fête patronale. Mais cependant, nous gagnons deux plus grandes fêtes qui sont toujours réalisées dans la commune. C'est en mois d'août, la fête Sainte-Rose de Lima et en mois de novembre, la fête de Saint-André. Donc, nous toujours présents et nous toujours encouragés fête ça yo réaliser. Et nous disons, c'est toujours avec que content, nous présents dans fête ça yo. Nous sommes contents, oui. En pile pèlerin, en pile fidèle l'église qui était présent, nous t'es content ouais, en pile prêtre qui était présent, nous t'es content ouais tout et le nonce apostolique qui était jeudi hein, venu célébrer belle fête ça, nous t'es vraiment content et présent et participer dans belle fête ça. C'est un bagage nous fait chaque année venir fêter avec pèlerin yo dans l'église Saint-André. Ça qui fait nous plus contents, nous te chita des concerts avec le commissaire police, Kazek Zonna, pour nous te faire un plan de sécurité et qui bat le résultat. Pendant tout moment fait là, nous pas recensé même un monde qui blessé. Ça fait nous contents pour Radio Télé Guinée qui l'a avec nous. Un abdou de tout cœur, nous sentons aux anges parce que vu avec l'insécurité qui est dans le pays, nous pas gagné yon moun ki blessé. Jodi fête la ça c'est fini. Nous espérons que tout moun qui te vinn assister à fête là, qui te vinn assister et messe là pour que bon Dieu permette yo tourner la caillo Jean saint et sauf parce que la vie c'est pour bagaille moun jouer avec lorsqu'on moun déplacé quitter commune ou pour venir dans commune, nous espérons que tout moun tourner la caillou, c'est souffle.